Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme car c'est un putain de plaisir de vous retrouver aujourd'hui les coquins pour une nouvelle vidéo sur NBA 2K16, notre dieu tout puissant les coquins. Oui, c'est le stade de même, je vous promets, je vais bientôt changer de casquette parce que vous en avez marre de ma casquette, j'en ai marre aussi, j'ai envie de changer de casquette, mais parce qu'il est temps que je change vraiment de casquette parce que là elle pue la merde. Voilà, autant dire que je suis plutôt chaudement chaud, ouais. Moi les amis, les Sulman, ma carrière elle est potée, et boum. Donc voyez un petit peu donc tout ce qui se passe. C'est un jour de repos les coquins et j'ai décidé aujourd'hui les amis qu'aujourd'hui nous allons faire un petit entraînement des familles les amis. Alors déjà parce que vous êtes très nombreux à kiffer les entraînements, moi-même je kiffe les entraînements et surtout les amis parce qu'on en a grandement besoin, vous l'avez vu, on a une équipe qui est vraiment spécialement incroyable. Enfin on a une putain d'équipe honnêtement, mais surtout notre 5 majeur qui est comme pas terrible. Enfin sur le papier on a un 5 majeur qui est classe, on a un 5 majeur qui éclate, on a un 5 majeur de l'espace, voilà. Mais sur le parquet, une fois qu'on est sur le parquet, on s'entend pas très très bien, on a du mal à se trouver. Moi en défense j'ai un petit peu, je suis pas très bon, mes coéquipiers aussi ont du mal à me trouver, etc. Alors que je suis la star de l'équipe et comme je l'ai dit, il faut que je porte mes couilles. Donc les coquins, on va s'entraîner avec nos petits coéquipiers des familles, on va aussi changer un petit peu nos célébrations, nos tirs, etc. Faire tout ça. Et puis les amis, après, je compte sur vous, évidemment, pour me lâcher cette, cette belle paire de likes. Cette belle paire de likes, ce pouce bleu. N'hésitez pas à me claquer le gros pouce bleu, les amis, en bas de la vidéo. Vraiment, ça me fait un putain de plaisir. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Et de plus en plus nombreux à les mettre. Et en plus, j'ai une petite surprise pour vous. Eh ben, c'est Noël. Moi, j'ai pas de vacances. Mais j'ai décidé de vous faire un petit cadeau comme de Noël. Oui. Pendant vos vacances scolaires, les gars, je vais essayer de vous claquer une vidéo par jour. Ouais. Soit le lundi, le jeudi, en plus que d'habitude. Alors, j'espère que vous allez me faire claquer cette barre de dunk. Aussi, cette barre de like. Et en plus, on se retrouvera très rapidement après pour un match contre les Cavs. Alors, on est là, bim. Le petit 2. Ah mais non, pas de petit 2 de dunk. Donc les amis, c'est parti, on est là pour le petit entraînement des familles. J'espère en tout cas que ça va être propre. J'espère qu'on va bien s'entraîner. Et quoi, faire quelque chose de lourd les coquins, ce serait super cool. En tout cas, j'ai vu en arrivant qu'il y avait le petit tonneau sur le côté. Autant dire que le tonneau, moi je ne sais absolument pas me démerder. Mais notre petit step des familles est là. C'est qui le bonhomme qui est là? Qu'est-ce qu'il veut? Ok, compétition time, comme d'habitude. Ok, je crois que c'est le Gatorade en fait, non? Je sais pas, c'est un mec bizarre. Alors, battre les pots, 3 points autour de la ligne en alternant les tirs à 3 points depuis le coin et l'aide vous marquez un point. Par panier réussi et moins 2 par panier manqué. Autant dire qu'on va finir à moins 5000, les gars. Allez, c'est parti, allez, Draymond, tu me fais la petite bouboule, s'il te plaît. Et voilà, on est déjà à moins 2, ça commence bien, les gars. Hop, et on est déjà à moins 4. Et ben non, les gars. C'était une blague. Allez, mais c'est chaud, les gars, ils savent que je suis mauvais aux 3 points ou pas? Bon, pour le moment, j'en ai mis 1 sur 2. Allez, on continue. Ok. Moi, je sens qu'on va avoir un score de merde, les coquins. C'est moi qui vous le dis. Moi, je vous le dis direct, les gars. On va avoir un score de merde. Hop, tu m'as vu. Enfin, je te la mets là. Non. Ok, on finit en moins 5, le coquin. Ce qui fait que on a la médaille de bronze. Ok. Donc, plus 5 bonus temporaire, régularité en attaque, endurance, tir à 3 points en mouvement. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il veut, le coach? Hop, si vous voyez, regarde à droite, c'est qu'en même temps que je vous parle et que je fais cette vidéo, je suis en train de faire le rendu d'une vidéo, donc je suis en train de regarder, c'est ça bug pas en fait. Ok. Ok, donc j'ai l'impression qu'on va faire un 5 contre 5. Non. Ok, alors, votre équipe est placée dans une situation de fin de match, votre objectif est, étant de déterminer la meilleure stratégie pour gagner le match. Ok, alors c'est le quatrième quart-temps, il reste 45 secondes, et nous avons 5 points de retard. Let's go, motherfucker! Ok, on commence direct comme ça. Ok, on le met ou pas? Ok, on commence bien, on le met, le gars, il nous reste 45 secondes. Déjà, si je mettais le deuxième, ce serait pas trop mal, mais ce qui va faire chier. Boum! Ok, on a mis le deuxième. On joue contre le banc, les coquins. Ce serait bien que je puisse gagner. Ça serait bien pour la confiance et pour la médaille d'or. Moi, je suis sur Stoskas, quoi. Allez, 99-96.
Eh les potes, on se fait pas baiser. Ok, Stephen Q qui fait la faute et on se prend le 1-1. Ok, ça commence bien. Ça commence bien, les coquins. Enfin, ça commence bien, il reste que 30 secondes, donc on va dire que ça finit bien. Ok, 101-96. Bon, par contre, si vous pouvez te dépêcher, laisse un petit entraînement, s'il te plaît. Arrête de te la péter, Mario. Hein, sinon, je vais dire à Luigi que tu t'es tapé sa nana. Voilà, je sais pas si t'as compris la blague. Hashtag Daisy. Et en plus, il le loupe comme As, tiens, mon petit. Allez, je t'ai vu à droite. Tu m'as vu à gauche, je te mets le tir à 3 points et on en parle après. En plus, j'ai fait le concours, j'étais bon. Voilà les gars! Mais je l'avais dit que j'étais bon aux 3 points! Mais oui, c'est clair! 101-99, les potes. Deux petits points de retard. Deux petits points de retard. Après, j'ai envie de dire, c'est un 5 contre 5 entraînement, il reste 17 secondes. Mais le truc de ouf dans cette équipe, c'est que les remplaçants sont vraiment très très bons. On a un Soskas qui est vraiment excellent. Oh le bâtard. Et là voilà Mario Chalmé qui vient de nous planter le petit tir à 3 points qu'il fallait pas. Du coup je sens qu'on va se prendre la quenelle. Oh tu m'as vu là, je la mets et c'est gagné. Eh ben alors bon ben, du coup c'est baisé. Eh oui, à cause de toi Stéphane qui a fait la faute avec le 1-1 sa mère. Atelier échoué. Quoi? Atelier échoué. C'est pas ce qu'elle m'a dit ta femme. Putain enfoiré va. Ok bon lui qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut lui? Salut! Ok, je lui dis bonjour. Mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il est là? Pourquoi t'es là toi? J'ai l'impression que ça. Je sais pas, je connais pas. Hein, ok, bon, en tout cas, on a le truc des tonneaux là-bas. On a le truc des tonneaux, les potes. Autant dire que les tonneaux, j'ai jamais réussi à le faire encore. Je vous jure, c'est la tête de l'homme, j'ai jamais réussi à le faire. Pourtant, ils disent bien, maintenez elle vers le bas, donc celui-là vers le bas, pour amorcer le saut, donner un coup rapide vers le haut avec elle. Pour sauter lorsque les genoux de votre joueur sont complètement pliés. N'attendez pas très longtemps. Réussissez autant de sauts que possible. Donc ils disent bien maintenez vers le bas. Donc je maintiens vers le bas pour amorcer le saut. Et je donne un coup rapide vers le haut avec elle. Donc rapide vers le haut. Ok, bon on va essayer mais j'ai jamais réussi encore les coquins. C'est ouf. Ok, hop. On saute. Allez, on y va. On saute. Et ben voilà, c'est toujours pas aujourd'hui que j'y arriverai. Non mais les mecs, sérieusement, expliquez-moi comment on fait, parce que je n'y arrive pas, je n'ai jamais réussi. Pourtant, je vous jure, c'est la tête de WM les coquins, j'amortis, je vais là, et quand mon bonhomme, il a les joues vers le bas, boum, je saute. Tu vois ce que je dis ou pas? Non? Bah, c'est ouf quand même. Ok, bon, normalement, on a un deuxième exercice à faire. On a un deuxième exo. Bon, par contre, le seul truc que j'aime pas avec les gameplay... Ok, mais arrête de me serrer la main, toi, s'il te plaît, tu peux... Le seul truc que j'aime pas avec les entraînements, c'est vraiment le seul truc. Eh bien, les coquins, c'est juste que du coup, ça fait à chaque fois des gameplays qui sont vraiment tout petits. C'est vraiment le seul truc qui est dommage. En plus, tu viens de me pêcher le ballon, bâtard. Ok, bon, normalement, on a un deuxième exo. On est obligé de m'avoir un deuxième. Ah, il est là. Ok, coach! Qu'est-ce que tu veux? Alors, attaquant rafale, suivez les instructions à l'écran pour effectuer les dribbles, à l'aide de R. Donc, R, c'est à droite, bien évidemment. Vous avez une minute pour réussir autant que possible. Ok. Ok, ok, ok. Ok, R vers le bas gauche. Ok, vers le bas gauche. C'est bon. Ensuite, vers le haut. Ensuite, vers le bas droite. C'est fait. Ensuite, vers le bas. Ok. Se rendre à la position. J'y suis. Se rendre à la position. Merde. Retraite vers le bas gauche. Vers le bas gauche. Merde! Quoi? Mais non! Mais mec, mais rien que le temps que je lis, c'est baiser, putain! Mais non! Hashtag paf le con! Hashtag paf le con! Hashtag! Putain, mais non, mais t'es sérieux? Eh, mais j'ai fait de la merde, les gars, en vrai. Plus un bonus temporaire, accélération, contrôle du ballon, ok. Un signe accro à la salle, bientôt en or. Mais autant dire que j'ai fait de la daube. Alors. J'ai foiré les tirs à 3 points et une bronze. C'était génial. J'ai foiré. J'ai foiré ensuite le 5 contre 5 où on devait remonter de 5 points. J'ai foiré le tonneau. Et j'ai foiré l'attaque en rafale. Autant dire que c'était un entraînement de merde. Putain de merde. Bah oui, tu peux être déçu, sa mère. Hein. Allez, bon, on va essayer de taquiner un petit peu notre petit Stephen Q et les familles histoire de. Hein. T'es où, Steph? Ok, bon, allez, juste pour le fun. Non, on va faire chier. Hop, on va faire chier quoi alors? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, nice! Charles! Alors, Harrison, t'es pas content? Hein? T'es pas content, Harrison, hein? Ah, ça te fait yesh, hein? Allez, bah, du coup, on chante encore un petit peu avec lui. Bon, en tout cas, les coquins, on va maintenant changer un petit peu nos petits amis de tir, changer un petit peu nos trucs de duck, enfin, voir ce qu'il y a. Voir si on peut améliorer notre bonhomme et voir si on peut changer nos célébrations. On va le faire ensemble, les potes. Rapidement, à la phase de rapidité, parce que moi, tout simplement, je vais le choisir. Enfin, bref, à tout de suite. Énorme, les gars! Boum! L'entraînement n'aura pas été qu'un entraînement, mais pourquoi?
Parce que déjà, j'ai un petit truc à rajouter, donc je vous montre en même temps mes insignes. Pas de finir sur un placard avec moi tout à l'heure. As you fell, créature de type porte infini, pro du piqueur, loin du renversement, step backer, démolition défensif, gros contreur, pro de l'esquive, qu'on va améliorer. Alors, un pro de l'esquive se fait, sait se faufiler avec facilité entre les écrans. Les améliorations argent et or peuvent se permettre de se faufiler entre les écrans avec encore plus de réussite. Alors, on augmente évidemment en or en plus. On est plutôt riche de type richesse ou net. Donc on continue, mais c'est de l'argent que je garde pour le mode My MJ, les potes. Et boum, on peut améliorer notre bonhomme, les potes. Parce que je vous rappelle que vous pouvez augmenter votre bonhomme d'un certain nombre d'attributs, mais au bout d'un moment, vous ne pouvez plus, car vous avez besoin de vous entraîner pour. Et donc ça y est, c'est pour ça que je voulais aussi faire cet entraînement avec vous, les potes. C'est que je savais, enfin j'espérais, et je m'en doutais, que je pouvais... Ça double pas, contrôle au poste. On va plutôt partir dans de l'athlétique, les gars. On est vraiment un petit ailier hyper athlétique. On va... On n'est pas encore au top au niveau du marqueur intérieur, mais il faudra après, avec le temps, que je augmente ça et ça pour pouvoir vraiment faire des attaques au poste plutôt sympa. Et moi, je suis plutôt un petit allié très athlétique, donc on va aller dans l'athlétisme. Et en plus, comme ça, on l'augmente au niveau 20, les potes. Boum, ça, c'est fait. On reste en note de 89, les amis. On gagne notre 15 petits points GD famille. Donc déjà, ça, c'est pas mal. On a nos 20. Et ensuite, on verra. Faudra qu'on verra ce qu'on peut augmenter. N'hésitez pas à me donner vos conseils dans la description, évidemment, les gars. Allez, je vais aller chercher pour changer mes petits, mes petites cinématiques de début. Enfin, mes petites animations. À tout de suite. Ok les coquins, donc ça y est, j'ai fait le tour, j'ai changé un petit peu mes bonhommes et j'ai une excellente surprise pour vous grâce à ce que j'ai débloqué en athlétique. Alors les amis, au niveau de l'animation tir en suspens, j'ai choisi tout simplement celui, les coquins, de Damien Lillard qui est un tir plutôt rapide que j'apprécie vraiment énormément. Je l'avais débloqué grâce aux connexions les amis. Alors le timing des lâchers, je suis toujours en normal. Les lancers francs, je suis parti, pardon, sur du Michael Jordan, les potes. Pour changer un petit peu, donc 1, 2, 3, 4, donc 4 petits rebonds par terre, on tire directement. Et au niveau des dunks, une grosse surprise énorme les gars, j'ai pu enfin débloquer le pack historique de Jordan. Donc il y a moyen franchement qu'on envoie du lourd sur les vidéos avec les dunks de Jordan, il fallait à peu près 85 ou 86. Et ça y est les amis, on les a grâce au point que j'ai débloqué en athlétisme et au 20 sur 20 les amis. Ensuite, au niveau du double poche, parti sur du John Wall, les potes, donc plutôt sympa et plutôt impressionnant aussi. Ça, j'en fais pas beaucoup des double pas, mais faudrait que je me mette à en faire beaucoup plus souvent avec quelques feintes, ça serait sympa. Au niveau des animations NBA, je suis sur la danse des canards, que on a pratiquement jamais vu, que j'ai jamais vraiment fait. Vous voyez tout le temps à chaque fois l'engagement, je me pète le dos en arrière, que j'ai décidé de changer et mettre plutôt à la caméra, les potes, où je vais me la péter devant la caméra, ça me correspond parfaitement. Et pour le rituel d'avant le match, j'ai décidé de chambrer tout le monde en faisant des grosses pompes. Comme vous le savez, je fais de la muscu, comme vous le savez, j'ai des gros bras, etc. Mais mon bonhomme aussi, il me correspond, et donc ça me tire plutôt pas mal, et tire en suspension, du coup, des lignes. Donc voilà les amis, c'est la fin du gameplay, je changerai aussi la coupe de cheveux, ainsi que toute la barbe, mais ça on la fera lors du prochain live Twitch. J'espère en tout cas que ce petit gameplay vous aura plu, un petit gameplay des familles au calme, à base de calme. Oui, j'étais plutôt calme, c'est vrai que je me remets tranquillement de ma crève. J'ai plus trop la crève, mais je m'y remets gentiment, je suis encore un peu fatigué, le nez bouché, etc. Mais ça va beaucoup, beaucoup mieux quand même que l'une des dernières vidéos que j'ai pu vous faire. Mais en tout cas, c'est la fin du gameplay, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire péter cette barre des likes si vous avez hâte de voir le prochain match du mode ma carrière avec du bon gros dunk Jordan, avec du bon gros dunk face à LeBron James. Alors c'était pas, faites attention à vous les gars, prenez soin de vous. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, on se dit bisous, ça fait plaisir, c'était pas. Peace. Yo, fini la vidéo terminée. Voilà, ça, ça veut rien dire, on s'en fout. Ok. Vidéo terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire péter cette barre des lacs, les gars. Vous me la faites péter, mais sale en ce moment. Alors, je compte sur vous pour continuer, les potes. Ça va. Franchement, droit au pec, ça fait hyper plaisir. C'est ma force, c'est mon. Voilà, c'est une source de motivation. Ensuite, si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux t'abonner pour faire partie de la team. Pas fait, louper absolument aucune de nos vidéos. En plus, t'es pas sûr, je ne fais. Que du 2K, il y aura d'autres trucs de prévu et tout, mais c'est que du 2K, enfin je suis youtubeur 2K, enfin bref, voilà quoi. Tu peux aussi regarder la dernière vidéo si tu l'as pas déjà vue. Voilà. Tu peux aussi me suivre sur Facebook, sur Twitter, Instagram, Snapchat pour les réseaux sociaux, sur Twitch pour me suivre en live Twitch 2.0, sur 2K aussi principalement. En tout cas les mecs, c'était Paf, merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, moi je me remets tranquillement de ma crève, et c'était Paf, bisous la peste.